Bonjour, petite présentation du maquillage du jour dans les tons vert marron puisque je suis habillée en vert marron. Donc j'ai utilisé pour le teint comme d'habitude fond de teint liquide accord parfait de L'Oréal avec la poudre light poudre minérale de chez ELF. Ensuite pour le blush c'est pareil comme d'habitude la poudre minérale Bliss de chez ELF qui est un rose pâle. Pour la journée c'est pas mal. Ensuite pour les yeux j'ai utilisé donc la primer potion d'Urban Decay comme d'habitude. Ensuite j'ai utilisé une monobulle d'Agnès B, la vert rose, que j'ai appliquée sur toute la paupière, mobile, en dépassant légèrement. Ensuite, j'ai utilisé la palette Manly qu'on trouve sur eBay, palette chinoise. J'ai utilisé donc en coin externe le quatrième vert en partant de la droite de la palette, donc en coin externe. Ensuite, j'ai utilisé le cuivré, le troisième en partant de la droite de la palette afin de fondre les deux couleurs entre elles puisque le vert rose avec le vert, le cuivré allait bien avec les deux. Pour foncer un petit peu le creux et le coin externe, j'ai utilisé le vert, donc le quatrième en partant de la gauche, ce vert-ci. En touche lumière, j'ai utilisé ce blanc jaune, on va dire, irisé, le troisième en partant de la gauche. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé comme d'habitude mon Aqua Cream Liner de chez Makeup Forever pour faire mon trait de eyeliner et je l'ai également mis en muqueuse interne en remplacement d'un crayon Kohl. Alors, les pinceaux utilisés, le pinceau biseauté pour le liner, le numéro 15 de chez Sephora, le eyeshadow brush de chez ELF pour les différents fards, et enfin, pour la touche lumière et fondre les couleurs, le numéro 22 de chez Sephora. En ce qui concerne les lèvres, alors j'ai changé un petit peu, j'ai utilisé le crayon Miss Europe numéro 56 qui est un brun clair, très très clair, et j'ai utilisé le Sakura Rose d'Agnès B, donc qui est un joli rose à reflets dorés, que j'ai appliqué avec le pinceau à lèvres Lip Defining Brush de chez ELF. Voilà. Voilà, voilà. Donc vous savez tout, je vous laisse avec le diaporama photo avec les différentes étapes du maquillage et je vous dis à bientôt.